Je te rappelle, quand on était sur la route là, ouais. Il l'appelle Karine. Karine le petit cochon, tu parles, je te jure, là, j'en regarde là. Non. Je te jure, mais oui, tu es un cochon. Il a l'air bien. Allez, on va le voir, on va le voir. Bonjour, allez. Ouais, ouais. Bah alors, Jean, qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle Jean Dubois. Je suis truffier. Ça, c'est le Karine. C'est un cochon. Karine ! Ça fait des générations que ma famille cherche des truffes ici. Sur cette génération fière de truffier, c'est moi le pire. Mais dans la truffe, on renonce jamais. Cherche. C'est bien. Allez, cherche la truffe. Demain, on va mourir. Dans des circonstances violentes et plutôt tragiques. Mais aujourd'hui, c'est le boulot comme tous les jours. Putain. Demain, on va aller à la clochette. T'aimes bien la clochette? Moi aussi, puis c'est pas trop fatigant. On peut y aller. On aura peut-être des primes vertes. Être bien. Karine. Je suis ici pour vous demander le loyer des 126 derniers mois. Il n'y a plus de truffes. Je vous présente Madame Irigoyenne, avocate. Mais mon père, mon grand-père... Au revoir, monsieur. C'était compliqué. Il y avait plein de mots difficiles, comme évacuation forcée. Et chalet de chasse de luxe avec spa.
La vue était jolie de là-haut et la branche était assez solide pour prendre mon poids. Je me sentais plutôt pas mal. C'est à ce moment-là que je l'ai vue comme une couille géante. Karine, qu'est-ce que t'as trouvé ? Mon père m'avait toujours dit, Jean, garde toujours ce couteau sur toi au cas où un jour tu décides de te pendre et que tu changes d'avis en cours de route. La truffe, ça a une odeur particulière. Mais celle-là, elle était comme aucune autre. J'y pense, j'étais sans doute